Bienvenue dans cette vidéo qui vous montrera comment diffuser votre formulaire créé avec Framaform. Maintenant que votre formulaire est terminé, voyons comment le partager à vos contacts. Tout d'abord, voyons comment retrouver votre formulaire si vous revenez sur votre compte. Pour commencer, assurez-vous d'être connecté. Si vous ne savez pas comment faire, visionnez la vidéo intitulée Comment créer un compte sur Framaforms. Une fois que vous êtes connecté, votre nom apparaît en haut à droite de l'écran. En dessous de votre nom, repérez l'onglet Mes formulaires. Tous les formulaires que vous avez créés ou dupliqués se trouvent dans cette section. Une fois que vous avez retrouvé le formulaire que vous voulez partager, cliquez sur Éditer. Vous revoici sur la page de modification de votre formulaire. Si vous venez juste de terminer la création de votre formulaire, vous êtes encore sur cette page d'édition. Rendez-vous maintenant dans l'onglet numéro 5 nommé Partager. Vous avez plusieurs options de partage. En effet, vous pouvez facilement ajouter votre formulaire Framaforms à votre site web, ajouter un lien vers votre formulaire sur votre site web, ou encore partager votre formulaire sur les réseaux sociaux. Choisissez l'option qui correspond à vos besoins. Par exemple, copiez-collez l'adresse Internet ou URL et envoyez-la à vos contacts par courriel ou tout autre moyen souhaité. Et voilà, vous savez maintenant comment partager votre formulaire. N'hésitez pas à visionner les autres vidéos de cette série pour découvrir d'autres fonctionnalités intéressantes de Framaforms. Par exemple, si vous voulez savoir comment créer un formulaire avec Framaforms, visionnez les vidéos « Comment créer un formulaire sans utiliser de modèle » et « Comment créer un formulaire à partir d'un modèle ». Si vous souhaitez en savoir plus sur le CEDAF, visitez le site cedaf.ca qui s'écrit cdeacf.ca.